Ah non, j'ai fait tomber mon téléphone. Ah putain, je me suis fait un torticolis. Ah 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 ah, super mal. Bonsoir. J'ai mal. C'est bon, il commence à partir. Ouf. Bonsoir Ferris, bonsoir Carnavalia, bonsoir Miss Jack Barth, bonsoir Carnavalia encore, bonsoir Flo, bonsoir Galacta Killer, bonsoir Angelus, bonsoir Bob Jones, bonsoir Flo, j'ai déjà dit, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je veux de la caméra. Bonsoir. Bonsoir, je vais rattacher les cheveux parce que les cheveux sont dégueulasses. Bonsoir les gens. Je vais bien. Daisy Fresque, waouh! Daisy pour Daisy Fresque, Yann Deré, ceci. Ce soir, c'est casino pour moi! C'est Daisy avec des yeux dollars. C'est Tipa, on commence directement sur les chapeaux de roue. Attends, j'ouvre ça et puis je mets la. Je mets le visuel. C'est bon le son? La musique est pas trop forte? Je vais chercher ça. Dans stream, dans Daisy Fresque, ça s'est ouvert, et puis ensuite, attendez, je vais attacher les cheveux, les gars. Putain, aujourd'hui, j'ai croisé une meuf dans ma ville qui te ressemblait de ouf, je lui ai demandé comme un con si c'était toi, et ben non, du coup, ah, tiens, t'habites où, du coup? Putain, la pauvre, vous êtes Cartaz? Non. On entend peu, mais bien la zique de la sonne. On entend peu quoi, ma voix? Ou la musique? Je peux augmenter la musique? Là, j'augmente un petit peu la musique. Bon, ok, d'accord, je fais confiance à Flo. Je fais plus confiance à Flo. Bravo, ça commence bien. Wesh, le son est ok. Vraiment sur Dijon, donc si même... Pourquoi je me suis posé la question? Bah, tu sais pas, ça se trouve, j'étais sur Dijon, hein. Donc on va fusionner la Daisy qui mange une glace, transférer ici. Et on va poser la petite Daisy Dollars ici. Elles sont de plus en plus petites, mais j'aime bien, ça fait un peu un dégradé. Petite Daisy, hop. Hop, hop. Dollars. Comme Captain Krabs. Putain les gars, est-ce que vous avez écouté dans votre vie la comédie musicale Bob l'éponge? Parce que je pense que c'est quelque chose que vous devriez faire. La comédie musicale Bob l'éponge, elle a des musiques écrites par David Bowie. Merde le dessin, je suis con. Capture CSP. Voilà, c'est mieux. Non. Là, c'est mieux. Désolé. Plus que pour un dessin gratuit d'ailleurs, il y a pour moi la scène. Cartas. Oui, pardon. Non. Non, on va peut-être. Bravo. Pas vos bâtons, pas bravo. Du coup, la petite Daisy. Avec. Attends. Est-ce que vous avez écouté la comédie musicale Bob l'éponge? Parce que c'est vraiment une très bonne comédie musicale. Il y a des musiques par. Il y a une musique par David Bowie. Une musique par Cyndi Lauper. Narik, salut! Il y a une musique par Panic at the Disco. Enfin, c'est un peu une masterclass, quoi. Et je pense que si vous êtes fan de comédie musicale et que vous n'écoutez pas Bob l'éponge, la comédie musicale, vous n'êtes pas vraiment fan de comédie musicale. Au fond, est-ce que vous aimez vraiment Broadway et la comédie musicale si vous n'écoutez pas Bob l'éponge, la comédie musicale, quoi? Je pense que c'est une question que vous devez vous poser. Voilà, petite dollar Daisy. Voilà. Non, j'ai pas écouté, mais je sais que je dois le faire, il faut le faire. Comment ça va ici? Ça va, je me suis fait un torticolis avant le live, mais ça va. Je vais mieux. Je vais bien. Il est pas mort David Bowie, ben c'est sorti, il a bossé dessus avant sa mort. Du coup, ça se trouve, c'est un de ses derniers travaux. La comédie musicale Bob l'éponge.
ce que je trouve glorieux. Mais ça, c'est peut-être moi. Du coup, hop, en fil rouge, donc c'est un don, un dessin, du coup j'attends les dons, déballer la moula, mais en attente, je fais des adoptes, voilà, si jamais, des petits adoptes chiens, regardez, des potes pour Hermine. Il n'est pas mort, David Bowie. Ça va pas trop mal, ça va. Non, en fait, j'ai commencé le live en me baissant pour ramasser mon téléphone et je me suis niquée, mais ça va. Coucou Arki! Arki! Ça va Arki? Comment tu vas? Chouchou, hein? Après Krabby Step de Tigal et Mousse, je reste fan à côté de l'éponge, je n'ai jamais regardé à ce sujet. Je vais m'accrocher aux branches. C'est quoi Krabby Step? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Arki, oui chouchou! Pour que je gagne un max d'argent. Que ouais, pour que je puisse me mettre de côté pour gagner ma vie en fait. Voilà, voilà. Du coup, je vais faire des adoptables chiens. Elles sont un peu simples, genre au niveau design. C'est juste des meufs, mais. Oui, je veux. En plus, je voulais redessiner Jess. Attends. Genre sur la base du même, de ouf. Attends, je vais regarder. Attends. Tu me les as envoyés de façon l'autre jour. Pour les gens qui suivent pas les lives, GTRP, déjà pourquoi? Venez. Bon, on se fait un peu chier parce qu'il y a des moments pur vide, mais il y a des petits moments où on se marre bien. Mais en gros, mon perso, il s'est fait rechercher par la police. Du coup, elle s'appelle Jess. Mais à une soirée, il y avait la police à une soirée où elle était invitée avec tout le monde. Du coup, elle a dit non, je m'appelle Julie. Et du coup, elle s'est fait passer pour une meuf qui s'appelle Julie. Du coup, mon perso qui est tout le temps en mode meuf habillée en jogging et tout, il a dû se faire passer pour un peu une petite zouze parisienne. Du coup, maintenant, elle se déguise, elle est habillée un peu en zouze parisienne. Et du coup, Flo a pris ce screen durant le live. Attendez. Ce screen durant live où son perso regarde le mien. Sauf que là, moi j'avais des hauts talons, du coup j'étais super grande et son perso il regarde vraiment avec une tête de. Et c'était exactement genre ça. C'est genre cette image, c'est genre ce même. Et du coup, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Sauf que à la place de micro, je vais faire une bière. C'est parti. D'ailleurs, je joue pas ce soir, alors qu'il y a un événement, mais j'ai passé la journée à dessiner avec Slow, du coup. Enfin, la journée de 15h à 21h, ce qui est pas mal. Et on a bien bossé ensemble, c'était cool. Voilà. La main. J'ai la saison 1 de The Owl House, c'est genre vraiment trop bien. Chaque fois qu'Amity et lui interagissent, je suis heureux. Ils sont très, très mignons. Très, très mignons. Merci, Draco Sensitive. Hey, un bail, j'ai pas fait de don. Alors, partons sur un petit speedwagon de la partie 1 de Jojo avec plaisir. Je vais noter sur un post-it, comme ça, j'oublie pas. Genre, parce que bon. Vous avez peut-être pas enchaîné non plus, mais. On sait jamais. Ou peut-être, genre, je vais prendre plutôt une. Un bleu bloc-notes, je vais mettre genre Flo, Denis, puis ensuite Speed, Wagon, et je les effacerai quand je les aurai fait. Voilà, vous voyez pas, mais moi je le vois, je m'en fous. Coucou Neptenio. Moi, chaque fois que je vois le fanart romantique entre les deux sur ma table, je suis heureuse, et ben elles sont très mignonnes, vous avez raison, shippé, go lesbienne, let's go lesbienne, let's go. Ahmed. T'es pas la colocataire de Karel, c'est moi. Oui, c'est Julie. Hein. C'est Julie hein, qui est influenceuse sur Instagram. Hein. Comment ça va? Ça va très bien, tranquille. J'ai bossé plus ou moins toute la journée avec ma pote Slow en vocal. C'était cool. On a passé un chouette moment. J'ai pu faire des adopts. C'était chouette. Je me suis réveillée à 13h. Je me suis réveillée à midi. Je me suis levée à 13h. J'ai fait mon sport jusqu'à 14h. À 15h, j'ai appelé ma pote et puis depuis, je travaille. Je dessine depuis... Ça fait 6h que je dessine. Non, top. Puis j'ai mangé aussi. Voilà. La même pas de Denis ce soir parce que
pas l'énergie, et sans doute pas demain non plus, parce que je suis sûrement sur du vaccin. Ah, t'as la 5G. 5G Pokémon plus 5G dans le bras. Ah, des musiques de 5G, ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est bien la 5G, wesh. Sinon, le dernier RP avait aussi une séquence de fête bizarrement très cauchemardesque. Surtout parce que je hais le bruit, mais voilà. Non, t'as raison, fallait partir, hein, c'était horrible. Speedwagon, il va durer combien de temps le RP? J'en ai aucune idée. Yo Golgotia, comment ça va? Je vais boire un peu d'eau. Yo Golgo. Coucou Riolu. Je suis full chargé. Je suis full chargé en 5G. Bon allez, du coup. Hop. Ça, c'est la base. Petit Denis, là. Attends. Attends. La musique, attends, elle était pas. Attends, attends. Il s'est planté. Attends, il s'est planté. C'est fait exprès. Écoutez. Ça, c'est pas la musique de Drift Vale City. C'est une j'ai mis une playlist. Attends. J'ai mis une playlist Black and White. Mais ça, c'est pas la musique du Drift Vale City. C'est un remix Drift Vale City. Mais avec le thème. Avec le thème d'une des. Avec le thème de Splatoon. Genre... Attends. Non, Drift Vale City, ça fait genre. Non, c'est pas ça, attends. Ça, c'est un thème de Splatoon. Mais c'est pas trop bien, mais s'il s'est planté, il a mis la mauvaise musique. C'est trop drôle dans une playlist. Oui. Ça, c'est le thème de Drift Vale City. J'aime bien comme il... C'est trop drôle. Qu'il soit planté. Bon, c'est pas grave, on va la laisser, elle est bien. Mais c'est trop drôle que ce soit genre... Il s'est fait une playlist Pokémon et il s'est dit « Oui, ça c'est Pokémon, ça. » C'est fait exprès? Comment ça c'est fait exprès? Sylvagun. C'est qui? C'est quoi Sylvagun? Attends, de qui vous parlez? Quoi, c'est que du thème parodique depuis le début? Est-ce que je me suis bamboozle toute seule? Je sais pas, moi j'ai juste tapé Black and White Best OST. Du coup, bon. Moi je voulais juste les musiques de Black and White. C'est bien une musique de Pokémon de la reconnaît. Oui, c'est une musique de Pokémon, mais c'est. Oui, mais la compile que j'ai mis là, c'est pas ça. La compile là que je vous ai mis, c'est juste. C'est juste une compile par un mec de musique Pokémon noir et blanc. Mais du coup, le mec. A mis le thème en l'appelant Drift Vale City sans penser que c'était un mix. Voilà. On est d'accord, Flo. Genre, il s'est planté, il s'est dit « Ah, c'est la musique de Drift Vale parce qu'elle ressemble beaucoup et qu'il s'est pas dit que ça changeait, tu vois. » Hop. Chapeau de Bunny. Hop. Petit nœud. Puis Jess, on va lui faire hop, les lunettes. Les cheveux. Voilà. La veste. Le collier. Voilà, voilà. Ça, tout ça. Hop. Tu vas Cartas, quoi? Attends.
Comment tu vises? Je vais bien, tout va bien. Ouais, mais en même temps, Splatoon, c'est trop bien, donc normal de vouloir mettre un peu de Splatoon dans ta playlist, c'est vrai. Je mettrai de Splatoon après, si vous voulez, j'aime bien, j'adore ça. À boire! Patrick Truel, mes belles dents qui brillent comme des étoiles filantes. Vous voyez, mes parents sont magiques? Vous voyez, il y avait une star dans Mes parents sont magiques qui s'appelle Patrick Truel. Genre. Attendez. Truel. Attendez. Attendez. Est-ce que... Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux images? Est-ce que vraiment vous voyez une réelle différence entre ces deux images? Non? C'est parce qu'il n'y a pas de différence, c'est la même personne. C'est la même personne, oui. Alors je vise de façon un peu hasardeuse parce que j'ai pas d'arme de précision, donc ça m'empêche de vous dire quoi? Qui a le toit? Qui a le toit? Quoi? J'arrive pas, je ne vois pas vos commentaires de si loin. Je me sens surtout de Crimson Chin. Oui, bah voilà. On a chacun son personnage, on se souvient. Moi j'avais un crush sur Timmy Turner, du coup je déteste ma vie. Mais. D'ailleurs de Sam. Je vois pas la différence, oui. D'ailleurs de Sam Picture. Voilà. Bah du coup, voilà. Hop. Du coup, on va prendre un petit. Voilà. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre du Splatoon, j'en ai marre déjà Pokémon. Genre best OST. Best of music compilation. C'est bien ça. Du coup. J'ai jamais touché à Splatoon, mais peut-être que je jouerai pour essayer. C'est sympa. Voilà. J'ai hâte du 3. Voilà. J'ai hâte que le 3 sorte, alors que j'ai pas beaucoup joué au 2, en vrai. Alors que j'ai acheté tous les packs et tout, mais j'aime trop l'esthétique. Sinon, Cartas, merci encore d'avoir mis mon dessin avec toi, avec Dizzy en PP Twitter. Ben, un plaisir, il est très chouette. J'aime beaucoup la tête que tu m'as fait. J'aime beaucoup que tu me fais avec Dizzy. De toute façon, ça me trop plaît. Ça. Hop. Avec ses vieux cheveux de là. Hop. Hop. Je suis concentrée de rouler. Je vais lire le chat quand j'aurai fait ce petit de pape du meilleur des goûts. Hop. 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 Hop 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 hop. Wumi Intensifies. Pour une fois que le gyroscope marche vraiment bien sur un jeu. C'est vrai que j'ai désactivé le gyroscope pour Splatoon parce que je comprenais pas trop comment l'utiliser au début. Enfin genre j'ai du mal. Mais genre sans gyroscope c'est vachement dur. Le gyroscope il est vraiment bien sur Splatoon je trouve. Pour une fois voilà. Le jour où j'aurai la thune pour m'acheter une Switch je me prendrai le Splatoon. Ouais. Ben on jouera tous ensemble. Splatoon ce jeu qui m'a fait balancer mon Gamepad Wii U par la fenêtre. Sacré demi. Après faut quand même... payer le online Nintendo pour jouer vraiment à Splatoon et c'est vraiment l'arnaque. En vrai je déteste le online Nintendo, enfin le fait que ce soit payant et tout ça, mais perso je le paye à 8, genre avec un pack familial, du coup je paye 3 euros par an, du coup ça va. Si tu trouves 8 personnes, 7 personnes qui sont aptes de payer avec toi, ça va, tu vois, y'a moyen.
que ce soit rentable et que ce soit pas une arnaque, quoi. Oh putain, j'ai oublié. En fait, je voulais regarder plein de trucs, genre avant que le live commence. J'ai regardé le premier épisode d'un animé, d'une espèce de web-série, web-animé que je voulais voir. J'ai regardé le deuxième épisode de Dragon Maid. Et j'étais en mode, oh, je devais encore regarder un truc, je pense. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Et je viens de me rappeler ce que je devais regarder. Et du coup, bah tant pis. Je ferai peut-être de la pub après. Mais j'adore les... C'est rare, en vrai, c'est rare de trouver des bonnes fan-trades de musique vocaloïde et tout sur... Il y en a des bonnes, hein, mais il y a une, du coup... Il y a une série de musique, c'est pas de musique vocaloïde, c'est de musique jap, mais c'est une série de musique qui s'appelle 1000 grammes, qui parle d'une prison ou d'un endroit où en gros la première musique expose un peu le concept et ensuite tu votes pour qui va être jugé ou pas, coupable ou pas. C'est plutôt stylé comme concept, comme truc de musique. Et du coup, il y a un groupe qui s'appelle 1000 grammes FR, du coup, qui fait les chansons. Ils ont 62 abonnés. Alors que leur musique rocks, ma préférence pour c'est Bring It On. Elle est vraiment trop bien. Du coup, si vous aimez les trades françaises de musique japonaise, du coup une ambiance J-pop, J-rock très cool, très ambiance vocaloïde, mais avec des paroles françaises, si vous aimez ce genre de truc, parce que moi je kiffe, c'est ça. Et bien sûr, vous pouvez aller voir 1000 grammes l'original parce que les musiques sont trop bien. Mais les versions françaises, ils ont plein à chaque fois un artiste différent. Et c'est des potes à ma coloc Kerry, c'est genre des gens de la communauté. Les Utaïté, c'est les gens qui font des covers japonaises mais sur YouTube. Parce que le terme Utaïté avec un U, Utaïté, c'est genre les gens qui font des covers en général de musique japonaise. Et les Utaïté, parce qu'enfin les Utaïté, ça a commencé je pense sur Nico Niku Duga, tout ça. Je suis pas sûre, hein. je m'y connais très peu, mais je pense que c'est un truc comme ça. Et Utaïté, Y-O-U, ça a été inventé par une Utaïté belge, flamande, qui a dit que. Qui est en mode oh Utaïté parce que YouTube. Et du coup voilà. J'explique un peu l'histoire. Mais du coup là, c'est plein de Utaïté qui sont ensemble. Et les traductions de paroles sont très bien. Les paroles sonnent très bien et les voix sont très cool. Enfin, je conseille, vraiment, je soutiens les petites chaînes. Et ça rend une bonne petite chaîne. Bring It On, elle est vraiment sympa. Je les aime toutes en vrai bien. Bring It On et After Pain, elles sont vraiment très très bien. Voilà. D'ailleurs, sans vouloir avec ton dessin, t'avais un peu prié le duo André et Denis. Ouais, de ouf. Le seul personnage que je kiffe dans Mes parents sont magiques, c'est le chien de Timmy. Je le trouve trop nul parce que je suis une vieille boumeuse de merde et que je suis partie quand Pouf a commencé à arriver. C'est-à-dire qu'il y avait Mes parents sont magiques avec le parrain. Ensuite, il y a eu le bébé, j'étais en mode c'est déjà trop. Et puis ensuite, il y a eu le chien, j'étais en mode non. Ma collector Twitch est capricieuse aujourd'hui. La chaîne. Là. Merci Flo. Putain, Flo, mais secrétaire quoi. Secrétaire de ouf. Du coup. Hop. Merci Denis. Jess qui est juste défoncé. Voilà. Du coup. Hop. Point, point. Na 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 na. Voilà comme ça. Vraiment une camée. Hein. Regarde sa vieille gueule de camée. En vrai, genre, je pense que peut-être après j'ai TRP, j'ai peut-être gardé Jess pour la foutre dans une histoire. En tout cas, parce que j'aime bien sa vieille gueule. Elle me fait rire. Voilà. Je vais faire ces grosses lunettes là. Je déteste faire les lunettes, hein, c'est insupportable à faire, je trouve.
C'est un des trucs les plus chiants à dessiner, je trouve. Hop. 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 Enfin, les lunettes, c'est pas si dur à dessiner quand tu fais juste deux carrés, tu vois. Mais quand c'est des lunettes précises, là, que tu dois faire la bonne taille et tout. Et la bonne perspective et tout, c'est chiant. Voilà. Voilà. Pas secrétaire de l'extrême pour rien. J'essaie de voir si je peux avoir les 10 000, les 10 000 crocos pour le dessin avant de donner mes tweets. Je veux pas m'enfiler, les petits bâtards. Bah, faut commenter, hein, faut participer en tant que spectateur, être actif. Par contre, en vrai, je l'ai pas précisé. Lunatic qui chante avec l'autotune pour la Nive in-game, c'était Goldé. C'était Goldé et maintenant il a un. Il a, je sais pas comment il a fait, mais il a fait en sorte que maintenant il peut directement mettre la musique et, mettre l'autotune pour que sa voix s'autotune sur la musique. Et je trouve ça plutôt ouf. Voilà. Du coup, parfois, juste il lâche un petit. On était à l'anniversaire de Rose et t'es en mode ouais, c'est la Nive de Rose, tu vois. Genre, il te lâche des petits trucs genre quand il veut et je trouve ça trop cool. Genre, ça devient un de ses gimmicks du coup. Voilà. Voilà. Youp. Voilà. La petite bouteille de bière. Ouais, ça c'est bien, comme ça. Une petite poche. Spoiler de l'octobre tension, il y a oui de partout, waouh, ce spoiler. En vrai, la même, après le RP, j'ai aussi envie de garder Denis. Yes, tu le mettras dans ton truc avec les animaux là. Sur un seul humain. J'ai vu un concept trop mignon sur Twitter, c'est quelqu'un qui avait fait un vétérinaire humain dans un monde de furie. Du coup, c'était le docteur. Du coup, si, je trouve ça trop mignon. J'aime bien le concept. Voilà, comme ça. Voilà. Faut lui faire une tête un peu plus sérieuse, ça donne. Alors, je sais pas comment lui faire la même gueule que ce type, quoi. Il est vraiment.
Hop. Bye Noam, bye. Bon, je vais vous laisser, car il y a des trucs importants à faire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye bye, cette musique, putain. Bye Noam, Calvary était jeune. Angel is fuck, meanwhile. La musique de créer des dépressions maximales, tellement c'est beau. Non, oui, oui, les musiques de Splatoon, elles sont plutôt cool. Elles sont plutôt variées en plus. Je suis pas fan de celle-là. Oh ouais. Tout ce qu'il y a. J'aime bien ce genre de sonorité. Nanana. Du coup, Jess, hop. Ouais. Voilà. Hop. Youp. Ouais! Ouais, toi! Cool! Voilà. Bisous! C'était Manoa, il m'appelait. Il voulait juste me dire bonjour. Pardon, désolé. J'aurais dû baisser le gain directement. Bisous! C'est parce qu'il regarde le live, ce fils de pute. Ah. Des bises, Mano. Tout le monde dit des bisous à Mano. Comme ça, il vous voit dans le chat. Hop. Des bisous. Bises. Ah, c'est bien. Envoyez-lui plein de cœurs. Envoyez ceux qui sont abonnés. Envoyez-lui des petits cartas cœurs. Les yeux, quelle couleur encore, Jess? Genre les yeux noirs. Ouais. Loup. Cette gueule de camé, quoi, mais au secours. Hein. Hop. Claire. Ouais, c'est pas mal. Je n'arrête pas. Des fois, ça m'arrive, je dessine et je suis tellement concentrée que j'arrête de respirer. C'est pas très agréable. Je sais pas pourquoi je fais ça.
bêtises. Alors, des bisous Mano pour que... Mais pour le massacre de mes oreilles, je vais quand même te retrouver et te payer, et te faire payer une amende. Sacripant. Tellement hâte pour Footpad 3. On va voir qu'est-ce qu'ils vont révéler. J'ai hâte de voir les nouvelles idoles et de faire des fanarts. En tout cas, c'est vrai que la nouvelle coupe de Jésus, c'est très chouette. Ah ouais, ça lui va pas mal en vrai. Wait, what? Oui. Si tu dis wait, what, pourquoi que Galacta? Je sais pas pourquoi tu dis wait, what. Du coup, éclaire ma lanterne que je puisse t'expliquer un truc. Hop. Non, je dis oui pour le dessin des idoles. Oui. C'est ce que tu disais, quand tu disais d'arrêter de respirer et les idoles, je sais pas si c'est des filles. Eh ben si c'est des mecs d'idoles, eh ben ça ferait très plaisir et je les dessinerais tout autant. Mais ça m'étonnerait. Mais ça, c'est des meufs, c'est des mecs avec plaisir. Mais oui, ça m'arrive, genre des fois je suis très concentrée et du coup je suis en mode... Parce que en fait quand je parle ou quand je respire, ben je tremble un petit peu, enfin je bouge un petit peu. Il y a des mini mouvements un peu. Faut un mec et une meuf parité. Ouais, ça serait cool. Un petit duo, ça peut être cool. Hop. Un petit peu plus bleu. Non, pas si bleu. Voilà. En plus, je suis en rouge, du coup, c'est genre lié à Carrel, tu vois. C'est un peu cool. Il y a thématique, tu sais, sur thématique. Voilà. Moi, j'aime bien être scénaristiquement cohérente avec mes designs. Ferme ta gueule. Hop. Voilà. Bienvenue, Yuhiro Mochi. Bienvenue dans la carte à famille là. Dégueulasse, je vais plus jamais vous appeler comme ça. Voilà, une vieille bière. Alors c'est bien les bières. Hop. Ah, en gros, quand tu dessines, tu fais comme les snipers, exactement. Je suis un sniper du dessin. Et comme je disais à Slow tantôt, je suis aussi le McDo du dessin. C'est-à-dire que je dessine à la chaîne et très vite. Voilà. La musique de... Je viens de lancer le jeu et je dois attendre que Marina et Parle finissent de parler, exactement. Attends, ah oui, c'est vrai, elles font leur petit speech à chaque fois. J'aime vraiment beaucoup la dynamique de Pearl et Marina. Voilà. Vraiment la meuf trop mignonne, un peu timide, mais qui est un DJ trop stylé et tout. Et le Gremlin qui rappe. Thank you.
Parce que fini. J'adore Marina et Pearl, mais oui, elles sont géniales. Oui, j'ai écouté le morceau de Pearl, t'inquiète, hein, j'ai bien plongé dans le fandom de Splatoon. Y'a pas de soucis. Et c'est très bien. C'est très sympa. C'est très sympa tout ce qui se passe sur Splatoon. Moi, j'aime beaucoup. Hop. J'aime beaucoup que je pense que le nom de la musique de Pearl, c'est genre des symboles de censure. Du coup, genre, elle a canoniquement dit des gros mots. Ou je pense qu'elle le dit dans la musique, elle dit des gros mots. Du coup, canoniquement, elle dit de la merde, tu vois, je trouve ça ouf. Pearl faisait du heavy metal, vive avec Coralie, à 8 ans, be like, elle pique comme une présidente. Let's Pearl say fuck yes. Moi, ce que j'adore en vrai dans... Ce que j'adore dans le... Enfin, dans Splatoon, dans l'univers Splatoon, c'est l'esthétique, déjà. Et le fait qu'il y a des faux groupes qui font toutes les musiques du jeu. Il n'y a pas que pour les Marina, tu vois. Où est mon dossier? Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais mettre dans le CJTRP et mettre Jess slash Julie est très grande. Je vais le poster en retweetant sur le post de Flo. Hop. La page de The Flowfic. Julie, j'ai vu ton truc Flo avec du coup genre ma VOD, ma rediff de ma VOD où du coup je commence à me faire passer pour Julie. Et ta Flo, il y a juste... Mais le Julie de la vidéo où un mec a fait genre que des noms de merde pour tous les persos de Smash. Genre Calamarav. C'est vraiment très drôle. J'ai voir ça. C'est dans l'humour. De retour, hello Golgotia. Je surkiffe qu'il y ait des faux groupes de jeux dans des jeux. Genre je crois qu'il y a... Il y a la même dans les Sims, ça se croit bien. Dans les Sims, il y a des vrais artistes qui ont fait des fausses musiques. C'est un peu ouf. Sans rien mettre, je vais juste mettre. Ah non, j'aurais dû mettre hashtag second souffle RP. Je vais faire ça, attends. Je vais supprimer mon tweet. Du coup, j'arrive, hein. Je retweet juste ça. Je mets le hashtag comme ça aussi un jour, je vais retrouver les dessins. C'est bien. Du coup, le dude avec le bonnet sur le dessin, il a l'air de rien comprendre à sa vie. Mais c'est en fait c'est
C'est le perso de Flo. Et en fait, le perso de Flo, à un moment, Flo a pris un screenshot de la partie où mon perso, c'est une meuf un peu grande parce qu'elle a mis des talons. Et du coup, il la regarde comme ça. Et ça nous faisait penser à cette image. Du coup, Flo m'a demandé de le refaire. Du coup, il est un peu paumé, lui, tu vois. Du coup, je voulais le faire un peu paumé aussi, tu vois. Maintenant, Speedwagon. Na 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 na. Avec sa crinière de feu. Voilà. Mon perso, c'est Denis. Ah ouais. En même temps, Denis est toujours un peu paumé, ça raccord. Oui, ça marche. Il est en mode, mais c'est Jess ou c'est Julie? Je ne comprends pas. Elle est devenue si grande. Oh, j'ai tellement la musique de Splatoon en vrai. Je me rends compte maintenant. Je réponds à un commentaire qui est très très mignon. C'est un anglophone, il est en mode I really love your fabulous and beautiful drawing, Cartaz. C'est très chou. Je vais répondre avec un petit emoji touché, un visage suppliant et un petit cœur. Et une petite main, des petites mains qui prient. J'aime trop utiliser cette emote là. En mode merci. Merci bien. Hop là. Petit speedwagon maintenant. J'ai commencé la partie 5 de Jojo. Jojo, ça me fait sincèrement chier parfois. Genre, vraiment, la partie 5, ça nous commence à nous vraiment à nous pomper. Du coup, on l'a arrêté en plein milieu alors qu'on avait tout regardé avant. Et du coup on a arrêté la partie 5 avec tout le monde parce qu'on regardait tout le monde avec toute la coloc. Puis ensuite, genre, la VF est sortie. Et on a vu quelques deux petits moments avec Narancia, avec Mano. Et on s'est dit, ok, il y a sûrement des petits moments ratés dans la VF, mais la VF de Narancia a l'air goldée. Du coup, on a commencé à regarder en VF. Comme ça, pour moi, c'est plus facile à suivre parce que j'ai beaucoup de mal avec les sous-titres. Voilà. Et du coup, pour l'instant, c'est un peu sympa. Ça va faire plaisir à Blo, ça, Speedwagon, non? Je pense qu'elle aime bien Speedwagon. Je suis pas sûr. Je suis nul en connaissance Jojo de mes potes. Je suis nul en connaître mes potes. Je suis mauvais ami. Mais je pense qu'elle l'aime bien. Merci Galacta. Bon, ce sera pour ce stream le dessin avec les crocos. Bon, comme dessin, petit choix. Soit Paroku de Splatoon 2, du groupe ABXY, ou le redesign de Fuminara, pour avoir un peu plus du background cette fois. De quoi? Je comprends rien à tes slangs de Jones là. Fuminara, c'est la perso que j'ai redesignée là? Ou c'est un autre? C'est l'autre que t'as fait, l'autre fusion que t'as fait? Ces gros sourcils là, ces petites mèches. Mais oui, c'est celle que t'as fait la dernière fois. Ok, tu veux la faire comment?
tu veux que je la fasse comment? J'ai pas compris, le BG c'est background? Je ne veux pas faire de décor, hein, quelle flemme. Hop. Hop. On va lui faire son grand chapeau là. Il le soulève en mode milady. Comment il tient? Comment il tient son... Il tient un chapeau. C'est trop bizarre les mains, en général. J'ai jamais entendu celle-là, mais si, mais j'ai juste pas entendu en entier. Je suis nulle pour faire les messieurs musclés, là, c'est chiant. Difficile. Est-ce difficile? On est pas mal, là. Si je mets sur ça, ça sur les costards, là. Et c'est ses cheveux de feu, là, ses chevelures de feu. Comment tu soulèves un chapeau? Ouais, c'est plus genre comme ça. Là, il y a le pouce. Et là, la main. Là. Voilà. Et ouais, comme ça. Oh, ça va, je corrigerai au second croquis là. Ça vite fait. Oui, sur le fond blanc quoi. Pas comme la dernière fois en gros. D'ailleurs, c'est dit qu'il est ridicule, mais elle boubou de ouf. Boubou. Oui, mais est-ce que tu sais faire des madames musclées? Non, mais je les fais quand même parce que j'aime bien ça. Voilà, je sais pas faire les muscles, mais je fais quand même des faux, des genre des... Je fais Aileen qui est super musclée, mais je lui fais juste des espèces de muscles gonflés tout ronds, là. Parce que je sais pas faire autre chose, mais ça va, je l'aime bien quand même. Je suis contente. Et j'ai fait aussi Shawn, mon perso qui... En fait, Shawn et Aileen, ils ont plus ou moins la même corpulence, genre... Sauf que Shawn, il est comme ça en dessous, il a des jambes toutes fines. J'ai envie de mettre en dessous autre chose que du sweaton maintenant. I Battle Music Compilation. Oui. Shawn. Allô Shawn. Attendez. Pour ceux qui n'ont pas vu. Original content, Shawn, regardez. Tous mes dossiers dossiers. Où est le S? Shawn. Allô Shawn. Et voilà. Le petit Shawn. Très sympathique. Voilà. C'est tout musclé. Moins musclé qu'Aileen du coup. Aileen qui est ici. Qui ressemble à ça. Qui est un petit peu plus musclé et un petit peu plus dodu aussi. Parce que lui il est tout. Il est que ce. Et voilà. Elle ressemble à ça. Faudrait que je te repasse commande de Charlène, c'est 4. Oui! Charlène, je veux rien lui faire plus de muscles parce qu'à chaque fois que je la dessine, elle est toute fine, mais elle est un peu plus stonk quand même. Quand plus là, il peut par Splat 3 lui-même, c'est d'avoir la version complète de Splatak en mode Splat 3. Ah, pourquoi il y a genre une version à chaque jeu? Elle est toute belle, merci Matt Canine.
Muscle. Voilà. Voilà. Oui, elle est de plus en plus remixée comme les thèmes de combat de Pokémon. Ah oui, oui, je vois. Du coup, il a une cicatrice sur le visage. Petit sourire. Le visage. Là. Le style de Jojo m'énerve, mais il est quand même chouette. À dire que c'est bon. Ah, pourquoi c'est difficile? C'est difficile. Ouais. Voilà. Oui, elle est plus optimiste. Voilà. Rebonjour, je suis réussi à finir mon truc dont je suis revenu. Bonsoir, Noam. Du coup. Les petites mèches là. Waouh! Ça va, il est pas mal en vrai. Un peu sympa. Je sais pas si je vais le rendre honneur, mais. Je le trouve plutôt délicieux. Quelqu'un peut me confirmer si c'est Blo qui aime Speedwagon? J'ai oublié. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Ça, je le renvoie après. Hop, la petite cravate là, tranquillou. Boui. C'est quoi le boui? C'est pour Blo ou bien c'est pour autre chose? Ah, c'était la rythmique de Splatak. Donc je rigole. Je pense que je vais regarder cette série car apparemment c'est très intéressant. Je trouve ça un peu claqué au sol, mais ça c'est moi. Mais tu peux regarder, c'est très intéressant quand même. C'est un tour de force. C'est vraiment un mec qui a dit venez, je fais n'importe quoi et ça a marché. Voilà. Et ça a très bien marché. Et du coup le mec est juste heureux en fait. Enfin, j'espère qu'il est heureux. J'espère de tout mon cœur que ce gars est heureux parce que je suis peut-être que ça. Voilà. Mais je trouve ça quand même un peu claqué au sol. Mais j'aime beaucoup quand même. Mais je trouve ça claqué au sol.
Merde, il y avait un... Hop. Hop. Il s'en va. Parce qu'il y a un œil plus fermé que l'autre. Ah ouais, ça va, mais ça va en vrai. T'as dû lui ouvrir les yeux. Gentiment. Voilà. Ça va, il est sympa. Il a fait la fondation Speedwagon, qui est quand même bien. C'est bien quand même. K21. Le best. Hein. J'ai enregistré sous, bureau, dessin, commande et contrepartie, PNG. Je mets Speedwagon. Rapide wagon. Voilà. Voilà, il s'en passe des trucs. D'ailleurs, c'est bientôt la fin de Jojo. Le dernier chapitre de Tom sort bientôt. Là, la fin de cette partie de Jojo, ou du genre général, Jojo Lion. Il faut toujours que je regarde après la première partie de la saison 2, partie 3. La fin de la partie 8 de Jojo, juste oula. Il a fait un bruit, je sais pas ce que c'est. Du coup, juste faut savoir poser son cerveau et regarder le spectacle qui prend place sous les yeux, parce que sinon je sais, c'est un enfer. Honnêtement, Jojo, je le vois plus comme un manga fun rempli d'action. Tu vas pas sans thématique ou ta profonde. Ah, parce qu'il y en a. En vrai, si, y a des gens qui te sortent des trucs. Et je suis sûre qu'il y a moyen de sortir. Il y a toujours moyen de sortir des trucs. Surtout que Jojo, ça fait tellement de trucs à la fois que il y a toujours moyen de sortir des trucs sympas. Rapide chouchou. Ouf, il est incroyable. Sinon, c'est ici pour le prochain épisode de Zola. Qui ici est hype pour le prochain de Zola? Je suis hype pour tout. Je suis hype pour tous les épisodes. En vrai, j'attends. J'attends. Je sais pas si hype que ça, mais j'attends quoi. J'attends que ça arrive. Voilà. Voilà, j'ai fait les deux commandes. J'ai fait les deux trucs de dons. Du coup, si jamais. Voilà. Je vais reprendre les adoptables, du coup. En attendant qu'il y ait plus de dons. Hop. De demande. C'est bien Zéo Laos. C'est très chouette. Hop. Attends! Galacta, pardon! J'avais oublié. Désolé, Galacta. Oh là là. Tu vas pas chialer. Tu veux une pause en particulier là pour ton perso ou bien tu t'en fous? Elle est là. En parlant de The All House, j'ai fait ça en contrepartie à un moment, j'en suis très contente. C'est un perso de The All House du coup, sans se poser les gens. Elle est plutôt cool. Voilà, j'en étais contente de ce dessin, parce que j'aime bien... Je l'ai fait très vite, mais très propre, et j'en suis assez contente. Voilà. Donc,
qu'elle est cool. Du coup, voilà. Hop. Hop. J'aime pas ses cheveux, je recommence. Elle est très chouette, c'est comme contrepartie. De quoi? Je l'avais pas lu, il est super. C'est une blague. Ton petit cousin, il peut lui faire des dons. Il peut lui... De quoi vous parlez? Non, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire... Ah non. Ah oui, pardon. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire que mon petit cousin est très fan de tes dessins et il te remercie d'avoir donné l'inspiration pour ses futurs dessins. Eh ben, ça me fait plaisir. Tu fais plein de bisous à ton petit cousin et tu lui dis que c'est très cool et de continuer de dessiner, que c'est trop bien de dessiner. Coco qui sait d'exploiter des enfants pour des dons. Demande à sa mère s'il peut le voir sa carte de crédit pour me faire des dons. Pour me soutenir. Dis-lui que j'ai besoin d'argent pour continuer à dessiner. Sinon je vais devoir trouver un travail alimentaire chiant. Hop. Hop. D'ailleurs, si vous voulez pas que je finisse à avoir un travail alimentaire et que je gagne ma vie avec mes dessins, n'hésitez pas à aller voir mon Tipeee. Si Flo est toujours là, tu peux faire le lien de mon Tipeee. Je fais tous les mois... Je fais ma pub, hein. Je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tous les mois, vous avez le droit à pour 5 euros... pour 1 euro par mois, vous me soutenez, vous voyez tout le contenu que je pose sur Tipeee. Pour 5 euros par mois, vous faites ça, mais vous êtes juste plus généreux. Pour 10 euros par mois, je vous fais une PP, un format PP, avec un dessin couleur simple, genre pas trop détaillé. Pour 15 euros, je vous fais un half body comme, pas comme ça, comme ceci, ou ceci, genre un truc la moitié d'un corps. Et pour 20 euros par mois, je vous fais un full body avec un petit décor comme ça. Chaque mois, tous les mois, si vous payez 20 euros par mois. Et sinon j'ai un Patreon et je poste mes dessins à NSFW et ça paye 4,5 euros, du coup 5 dollars par mois. J'ai mis en dollars parce que j'ai une commune plus anglophone sur mon... J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, pas que, je pense qu'il y a beaucoup de francophones, mais il y a quand même quelques anglophones sur ma page NSFW. Voilà. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire des... Bienvenue Armosias. Voilà. Mais du coup oui, si vous voulez me soutenir régulièrement, vous pouvez prendre un abonnement de 1 euro par mois. Vous pouvez voir le contenu que j'y poste et c'est... moi ça me fait un espèce de salaire un peu plus régulier, ce qui est quand même plus intéressant.
Come on and slam, and let's go to the jam. Come on and slam, if you want to slam. Hop. Ça, hop, on pique. On l'a déjà eu tantôt ça, attends, je vais la changer. Oh mais elle est bien quand même. Je pense qu'on la passe quand même. Ebb and flow. Je pense qu'on l'a eu. C'est pas grave, j'aime bien. J'ai envie de mettre du Kiryu Pamu Pamu parce que j'adore ce qu'elle fait, mais je pense que c'est DMCA. Du coup, non. Malheureusement. Ça saoule. J'aurais trop voulu mettre du petit. Du petit Kiryu Pamu Pamu là. J'aime trop. Puis si jamais, outre les lives et les dons, regardez ça pour également passer une commande en bonne uniforme. Ah, merci Flo. Oups, j'avais pas follow non plus, pas de soucis. Bien mieux, toutes les infos sont en dessous de toute façon. Sourire, enfin le grand sourire. Hop. Les yeux. Le visage que je veux faire. Vous pensez qu'elle est DMCA, la comédie musicale Bob l'éponge ? J'aimerais bien la mettre. Je crois que les comédies musicales elles sont DMCA parce que je pense que j'ai déjà mis du Hamilton ou des trucs comme ça. Peut-être Hamilton si, je sais pas. C'est un truc trop connu. Sinon je mets du Eddie Stown, c'est pas très connu ça. Ou du Percy Jackson. Du coup, question pour être indiscrète, je me demandais où ton objectif pour vivre de ton art. Est-ce que tu as réussi à avoir un début de SMIC? Pas du tout. J'ai même pas commencé, je te dis que j'ai commencé ce mois-ci, du coup j'ai pas encore fait les comptes de ce que je reçois par mois, quoi, que ce que je gagne pour moi, par mois, et ce que je dépense. Mais pour l'instant, non, je vis pas du tout de ce que je fais. C'est pour ça que je fais plus d'adopt, j'essaie de faire plus d'adopt et plus de commandes et tout. Ouais. Il est sympa la bande originale de Splatoon, oui c'est cool. C'est possible, oui, définitivement. Définitivement. Hop.
Ah, pardon. Vas-y, réussis ta ligne. Merci. Ça fait plaisir. Ok. Non, j'aime pas. Non, 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 non. Oui. Ok. Hop là. Oh oui. Je pense que c'est Wet Floors, je pense le groupe qui a fait, enfin le faux groupe qui a fait cette musique là. J'aime bien. Mais je suis pas sûre. Et vu que la musique s'appelle Don't Sleep, ce serait pas étonnant que ça, c'est le, ce groupe-là. Du coup, hop. Hop. Capuche, hop là. Là. Hop. Je ne comprends pas ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Hop. Là, je suis en roue libre. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends rien ce que je fais. Je tiens à être sincère avec vous. Après, j'ai oublié comment dessiner. Hop. Hop. Voilà, ça c'est bien. Hop là. Et du coup. Hop. 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 Ok. Ok, 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 c'est bon. Je peux faire. Non, ça ne marche pas, il y a des trous. Il y a des trous, il y a des trous, c'est pas bien du tout. Hop là. Là, là.
Hop. Du coup, j'en étais où? En tout cas, j'espère que certainement que tu arriveras à vivre de ça. Merci beaucoup, Flo. Non, parce que niveau personnalité, je sais pas si tu t'en souviens, t'as lu la backstory, mais à cause de son incident, elle arrive quelquefois à contrôler certaines émotions, dont la colère et la joie. Ce qui est une bonne coïncidence quand on voit une... D'ailleurs, tu vas jouer à Splatoon 3, oui. C'est quoi le nom de la zik que j'ai check? Désolé, je sais pas de quelle musique tu parles vu que j'ai pas trop regardé, désolé. C'est trop beau. Merci Athéna. De toute façon, tous les dessins de cartes sont beaux. Merci Noam, ça fait trop plaisir. Oui, c'est justement chez moi. C'est justement chez moi où j'ai l'impression que le son est faible. C'est juste chez moi où j'ai l'impression... Bah, apparemment, Flo m'a dit que c'était bon. Je pensais être Wet Floors. Ah, ça s'appelle... Bah, elle s'appelle Wet Floors. Non. Elle s'appelait Don't Sleep. Du coup, voilà. Bienvenue, Athéna, bienvenue. Merci pour le petit compliment sur mon dessin, ça fait plaisir. Youp. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on est bien. Je vais fusionner ça. Oula. C'est bien de Wet Floors, je suis trop forte. Voilà, et du coup, non, je pense que le son est bien. Normalement, il est bien. Après, Flo m'a dit que c'était bien, mais après, ça se trouve, genre, Flo met fort de son côté et que toi, ça va pas très fort, je sais pas. J'ai pas trop l'air avec le son. Bah, ok, nickel. Aïe. J'ai dit aïe pour mon stylet. Je suis trop. Juste trop empathique. Oh, elle est bien celle-là. La Pigalle. Oui, elle est chou. Là. Hop.
Hop. Hop, hop, hop. Ça. Et on met ça là. Et on met ça là. Et on met ça là. J'aime pas la colo. J'aime bien, enfin, j'aime bien faire la colo, ça dépend. Il n'y a pas vraiment, c'est surtout de la sélection, quoi. Enfin, ça dépend avec quoi je colo quoi, quoi, mais... Mais voilà, ça dépend des techniques de colo qu'on prend. Ok. Ok, 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 ok. Là. Voilà. Là. Et voilà. Là, ici. Si on fait genre. Oh, je fatigue, deux secondes, je vais boire de l'eau. Salut tout le monde, salut Sanguinus! Hey, vous refaites le design de l'OC Galacta, blablabla, c'est très rock, la musique, donc c'est génial. Elle refait le redesign qu'elle m'a fait la dernière fois, oui. Je viens de remarquer que je suis à 800 points de dessin gratos, 600 persos. Et bien bientôt les gars, bientôt. Un petit dessin gratuit, ça fait plaisir. Et ceux qui savent pas, si vous amassez 10 000 points crocodiles, enfin 10 000 bonbons crocodiles qui sont les points de chaîne, et ben vous pouvez avoir un dessin gratuit. Voilà, tout simplement. Ce qui est plutôt ouf, parce que c'est cool les trucs gratuits. Mais si vous avez pas la patience, ou que vous venez pas assez souvent sur les lives, ou juste vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don. Et je vous ferai un petit dessin d'échange de ce don. Yop. Genre, c'est mon groupe préféré, les DMC. Enfin, un de mes groupes préférés. C'est un groupe canadien, et du coup, il est. Enfin, c'est un groupe canadien pas ultra connu, c'est pas non plus des grosses musiques, du coup. Je me demande s'il est DMC. J'espère que non, ouais. Mais en même temps, si oui, good for them, tu vois. Hop, 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 hop. Tu veux un fond quelle couleur, du coup, si tu voulais un fond... Oula, les dents. Yep. Vert.
comme si tu peux mettre des décors. Comme tu veux. Voilà. Tiens, je vais faire un verre avec genre de... petit perso de Space Invaders, c'est des aliens. Les isolis sont aussi à... C'est une fusion à la base, c'est une fusion de deux personnes dans Garanpa, et puis ensuite il m'a demandé de... Galacta m'a demandé de la redesigner un peu, pour qu'elle ait un peu son identité à elle. Fumi Gaming. Yo, ça live par ici. Bonsoir, Flederan. Moi, si j'avais beaucoup de points Twitch, je demanderais... Allez, ça de mon profil Twitter, car je trouve que c'est joli, les pépés de Carthaz. Quand elle fait ça pour certaines personnes qui ont fait des dons à... Ah, c'est plus green screen, elle peut plus live. Ça te va comme ça, Galacta? Tu aimes bien? Attends, j'ai envie de tester. Non. J'ai envie de faire un... Vu que c'est une gameuse... Je peux essayer de faire un truc genre... aberration chromatique, tu vois. Genre si je fais... Hop. Et... Peut-être pas autant. Hop. Ton. Hop. Yop. Ah, t'aimes pas? Bon, si t'aimes pas, j'enlève, hein, mais dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, je dois te dire ou pas. Dis-moi. Bye Flo. Bon, je vais vous laisser, j'ai un énorme coup de barre des zoubis. Et pas de bêtises dans le chat. Merci Flo, bye bye. Hop. Plus rouge et bleu. Mais t'es con. Ça c'était normal, c'est parce que je l'ai mis à 100%. Ça, c'est vrai, ça fait mal aux yeux, mais là j'ai mis à 15%, il est toujours là en fait. T'as vraiment cru que ça c'était le rendu final? Wesh. Voilà. Bye Flo. Comme tu le conseillerais, j'ai fini par regarder. J'ai fini par regarder Dragon Maid et c'est bien. Ah, c'est sympa. C'est sympa. C'est dommage qu'il y ait autant de sexualisation, mais bon, ça... Malheureusement, ça se trouve dans beaucoup de médias japonais. Mais à côté, il y a de la très jolie animation et des persos très sympas et tout. Mais oui, c'est dommage qu'il y ait autant de sexualisation de persos qui ont l'air si jeunes. Là, dans les nouvelles saisons, ça a été confirmé en plus dans les nouveaux épisodes là que
le nouveau perso avec les immenses seins, ça, vraiment, c'est pas un humain, tu vois, genre, c'est pas une loli qui a 300 ans, enfin, elle a 300 ans, mais elle est dans son monde considérée comme un enfant. Du coup, et elle a un comportement d'enfant, du coup, c'est très dérangeant, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Voilà. Comment elle s'appelle du coup? Voilà. Cartas pour les commandes de character design, ça se passe comment? Genre on t'envoie plein de références et plein de trucs et t'essaies de ressembler comme tu veux. Un peu ouais, tu peux faire sur description. En fait ça se passe sur une description, tu me donnes une base de description, puis je te demande peut-être des refs, si t'as des images de base, etc. Puis ensuite tu payes. En fait plutôt genre tu payes avant. Puis on commence à en discuter, comme ça quand on discute, je peux faire les croquis, je t'envoie petit à petit. Et en fait c'est un échange, en fait on discute et tout. Et puis quand on est fini sur un. Quand on est sur d'accord sur le design, et ben je le finis et puis je te l'envoie. Musique de ouf. Principalement si une heureuse. Ah ouais genre Ultimate Streameuse, c'est un peu cool. Ça veut 100% être ma nouvelle pépé, yes. Ah, il faut qu'ils vendent des figurines et des boots d'initiative pour que le gros 8 de merde font l'affaire. Quoi? Ah oui. Oui, c'est ça. Du coup, ce aussi, c'est l'ultimate quoi? Ah oui. Je suis d'accord, fin de service bidon et la relation entre Lucao et Shota me sort du truc, c'est dommage. Ouais, mais oui, c'est ça, pareil. Par contre, j'adore Fafnir. J'adore Fafnir et le weed. Genre, ils sont trop cool. Ils s'entendent genre en mode, j'aime trop l'idée que c'est un weed qui collectionne de ouf et un dragon qui adore amasser des trucs et ils sont potes. Et ils font des LAN ensemble, ils jouent à des mémos ensemble, moi j'adore. La chose la plus que j'étais plus dans la culture japonaise, c'est étonnant, non. C'est quoi le nom de la musique? Là maintenant? Celle qui passe maintenant c'est Undertown de Splatoon 2 et celle qui a vraiment c'est Ink Me Up de Splatoon 1. Fafnir est hilarant, j'adore Fafnir. La VF est très cool aussi, je conseille. Il y a un gag avec Fafnir. Ou juste Toru l'appelle en disant « Mec, tu peux m'aider? Comment je dois faire pour m'en sortir dans le monde des humains ?» Et le mec, il dit genre « Brûle-les jusqu'au dernier, décime-les tous !» Et il dit « Bah non, c'était pas une très bonne idée de l'appeler, tu vois. » Et genre, ce gag-là, il fait vraiment beaucoup rire. Le timing est plutôt bien fait, et dans le français, il est vraiment très bien fait aussi. J'ai pas l'argent, mais quand j'aurai, je te commanderai peut-être un character design. Un plaisir! Ça fait plaisir. Ilulu, le plus drôle, c'est qu'elle a une énorme poitrine, mais elle stocke ses flammes dedans. Donc, elle a un gros stock. Oui, c'est dit dans l'épisode 2, là, que je l'ai vu aujourd'hui. Que en fait elle se contient, mais sinon elle aurait une encore plus grosse poitrine, ce que je déteste. En fait, il y a toujours une excuse derrière, même si c'est une excuse, oui, en fait, c'est parce que c'est sa forme et sa puissance, mais vu qu'elle est trop jeune pour faire un corps d'adulte, un corps trop petit, du coup elle stocke toujours sa poitrine, c'est de la merde, vraiment. C'est vraiment de la merde. Mais du coup, voilà. C'est de la merde, mais j'aime quand même parce que c'est joli et qu'il y a des chouettes personnages à côté, mais oui, Lulu elle m'énerve. Par contre, Lulu elle me fait rire parce que, genre, il y a juste un moment, j'ai pris des screens tantôt. Elle a voulu faire des mains, sauf qu'elle a pas réussi, du coup elle a fait des points, genre d'Animal Crossing, et du coup elle les regarde, et genre ça la tue de rire, parce que c'est des petites boules, et genre moi ça me fait rire qu'elle trouve ça drôle, tu vois. Genre l'humour dans le. Enfin, le personnage est pas mauvais en soi, ce qui m'énerve c'est que ce soit une enfant et qu'elle est clairement sexualisée. Ça m'embête. Oula, tu peux le faire. Voilà.
Genre un petit message le second. Un rock ça, putain, les gens, pas dit. Elle a quel âge, Toru? Toru, je pense que ça va, elle, genre je peux y croire, tu vois. C'est Kobayashi, qui a un style très chibi, qui a l'air un peu jeune, mais c'est le style de la série, tout le monde ressemble un peu à ça. Elle est majeure et a un boulot, je crois que Toru est majeure, du coup ça va. Quel joli faux d'écran sucrose, oui, il est très sympa. Bolivine sucrose suprématie, oui. C'est surtout que, en fait, je l'aimais pas au début, j'aimais pas son design, mais en fait maintenant je la main et je la trouve très très utile, et du coup je l'aime bien. Les musiques de Splatoon sont grave bien. Du peu que je connaissais, je détestais fondamentalement l'animé parce que c'était un cliché de truc pour exciter les otaku. Et quand j'ai vu le premier épisode en VF, je me suis surpris à apprécier. Ah oui, oui, c'est chouette, hein. Puis l'épisode, il est dispo sur YouTube en VF si vous voulez tester. En plus, la voix de Kobayashi, c'est une personne que je connais. C'est une amie. Enfin, c'est la mère d'une amie et je la considère aussi comme une amie. Et elle est très cool et elle fait du très bon travail et j'adore sur sa voix sur Kobayashi, je trouve qu'elle est très très bonne. Elle est très bien castée sur Kobayashi, elle lui va vraiment très bien. Et je l'aime beaucoup aussi sur Moriko Morioka dans Recovery of an MMO Junkie, qui est aussi un très très chouette animé que je vous conseille. Qui est beaucoup moins... tu vois, Dragon Maid, je lui cherche des excuses parce que je trouve qu'il y a plein de défauts, mais MMO Junkie c'est juste très du feel good, c'est du slice of life romance sur du MMO. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça parle très bien de genre du MMO et de l'addiction MMO, ça, c'est pas genre des gros nerds de merde, c'est plus en mode c'est vraiment cool. C'est un très bon anime, Recovery of an MMO Junkie. Je vous le conseille. Qui est aussi en VF et qui a une très bonne VF aussi. C'est des VF belges, elles sont pas toutes bonnes les VF belges, mais les VF de Crunchyroll belges, elles sont plutôt cool, moi je les aime beaucoup. En tout cas le cast, généralement le cast qui est pris dedans, ils sont plutôt bons. Hop. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a commencé à doubler dans Recovery of an MMO Junkie quand j'ai commencé à devenir pote avec sa fille, du coup. Et du coup, on parlait à table, elle dit « Ah oui, je suis en train de bosser sur un animé, là, et il s'appelle machin MMO Junkie. » J'étais en « C'est mon animé préféré du moment !» Et genre, j'étais trop contente parce que c'était vraiment un de mes animés préférés. Toujours un de mes animés préférés. Ça et Galko-chan, Oishite Galko-chan, qui n'a pas de VF, je suis triste. Qui est un de mes animés feel-good que je regarde quand je me sens pas bien. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Attends, il y a vraiment une petite fille avec des gros ballons dans les animés, c'est trop chelou. Oui, c'est très très chelou. C'est très nul. Vous voulez du feel good, regardez Lucky Star. Je suis pas fan de Lucky Star, je me suis un peu ennuyée. Je sais pas, mais elles ont le même âge, soit plusieurs millénaires. Y'a pas d'excuse au fait qu'elles puissent pas réduire sa poitrine. Oui. Si dans un sens, si elle peut les gonfler à cause du surplus des flammes, bon, elle en a qui sera plate. Non, c'est pas ça en fait. Elle a toujours une grosse poitrine. C'est de la merde. Tiens pour ce message. Moi je regarde que dalle en animé, donc yes, pareil, hein, je regarde que dalle en vrai. Hein. Je regarde vraiment rien, c'est juste que je suis vraiment pas une grosse weeb, j'ai pas du tout de culture. Mais en fait, je regardais que dalle et puis mes potes ils m'ont un peu forcé entre guillemets, voilà. Je sais plus le nom exact, mais en vrai ça aurait été un peu drôle Galacta si genre sa poitrine rétrécissait quand elle perdait l'énergie. Genre ça au moins ça aurait été débile mais ça aurait été plus drôle, tu vois. Là c'est vraiment une gamine de... C'est une gamine de entre 10 et 16 ans qui... Parce que genre, je pense que dans son truc wiki, elle a physiquement 16 ans, tu vois. Alors même si c'est plus vieux que 10 ans, elle a quand même pas l'air d'avoir 16 ans, tu vois. Je sais plus le nom exact. Genre, là, elle est chez Kobayashi, elle essaie de s'habiller avec les vêtements Kana. Et Kana, c'est vraiment une enfant, du coup. Ça veut dire qu'elle a la même mensuration, à part la poitrine, que Kana, quoi. Je sais plus le nom exact, mais j'ai vu une série sur Waka. Le concept, c'est une meuf qui joue à un MMO en VR, qui met tout le monde, tous les points en défense pour ne pas se faire mal et devenir le héros le plus puissant du monde. Ah, oh, c'est drôle, ça. Bah, RIP, au moins, elle est plus légale que Kana, ouais. Oui, ouais. C'est de la merde. Je déteste que Kana soit aussi un peu sexualisé et tout ça. Enfin, je déteste tout.
quand même bizarre de différencier les VF belges et françaises, genre la VF belge, tous les comédiens prennent l'accent belge parce que les différences québécoises et l'accent, etc. L'expression sont différentes en Belgique. C'est pas du tout différent en fait, la Belgique, genre la Belgique, je pense que même nous on dit 70, mais je pense qu'on dit quand même 70 dans les VF françaises parce qu'en fait ça change rien, c'est juste que les VF belges et françaises elles bossent très peu ensemble. Du coup, si je te parle de VF belge, je te parle surtout d'une différence de caste. Genre, dans une VF belge, tu vas avoir Claire Thévenin, Fanny Roy, et je sais plus qui d'autre, j'ai pas vraiment de nom. Mais genre, ces deux-là, c'est deux que je connais, du coup, de nom. Qui sont des doubleuses qui sont dans pas mal de trucs. Genre, je sais que ces deux-là, elles bossent pour Crunchyroll, tu vois. Les VF français, si t'entends dans un doublage, t'entends genre Donald Renew ou Alexis Thomasian ou Richard Darbois, tu sais que c'est pas une belge parce que c'est des doubleurs français. Mais les doubleurs belges, du coup, ils bossent entre eux et les doubleurs français bossent entre eux. Ce que je trouve dommage parce qu'ils pourraient avoir un mix de talent. Moi, genre, quand j'imagine des castes pour les séries que j'imagine des français et des belges, tu vois. Mais souvent, les doublages, c'est par pays, tu vois. Et souvent, la Belgique, ils sont appelés, genre, c'est un peu les boîtes que Crunchyroll appelle pour faire tous les animés où ils ont ni le budget ni le temps, parce qu'en Belgique ils sont habitués à faire des trucs assez rapides et à beaucoup de travail parce que c'est moins cher en Belgique, ce qui est pas cool pour les Français parce que du coup les Français ils ont pas assez de travail parce que tout est sous-traité en Belgique, et pas cool pour les Belges parce que du coup tout est sous-traité en Belgique et du coup ils sont pas payés assez, ce qui est du coup injuste pour tout le monde. Toi je reviens pas parce que je vais aller me coucher, bonne nuit Noam. Et surtout que le modèle économique c'est pas la même, c'est un peu la guerre entre les deux, ouais c'est dommage, c'est trop dommage parce que j'aime trop, juste artistiquement j'aime trop les deux. C'est trop bien, c'est, je ne suis pas venue ici pour surprendre, j'ai tout mis en défense. Oui c'est assez sûr que les comédiens français et belges ne collaborent pas. Bah c'est des trucs c'est autre chose, tu vois, il y a autre chose que le parti pris artistique, il y a aussi tout le truc économique qui joue dedans, tu vois. C'est triste, genre, je sais que Donald Renew il veut pas inviter de Belges dans son émission parce que il trouve que c'est injuste ce qui se passe en Belgique par rapport à la France, mais j'ai envie de dire... c'est pas juste aussi ce qui se passe enfin c'est aussi triste que les doublages belges sont pas pris au sérieux et vus comme des doublages de merde, tu vois. Genre dans la réunion il a même dit c'est pas du vrai doublage belge, pas du vrai doublage français, je trouve ça con parce que la Wallonie c'est un pays francophone, tu vois, c'est pas parce que tu parles, il y a aussi des doublages suisses, tu vois, genre ça change rien. À part s'il y a l'accent dedans, je sais pas, genre au Québec c'est pas pareil parce qu'il y a l'accent et que c'est beaucoup plus courant. Et... En sortant du thème Kobayashi Carcass qui dessine la cousine d'Isabelle, j'avais vu. Merci, j'arrivais plus à trouver le nom. Le conseil Carthage. C'était quoi le nom ? Dans mes souvenirs, les VF belges sont pas très bien vus à cause de la méthode belge. C'est quoi la méthode belge ? RIP la Wallonie. Oui, c'est quoi, oui. Il y a juste des contrats qui sont différents et en Belgique en France, et le modèle de contrat belge, c'est de la merde. Enfin, surtout les Belges sont sous-payés de ouf. C'est vraiment pas très bien payé en Belgique. Mano a fini. Tu vas te coucher, Mano. Arrête, tu vas te péter la gueule. Non. J'ai dû leur péter les oreilles, désolé. Vas-y, bois de l'eau. Ça va, ça se passe bien. Oh, merci Angelus. Petit d'Ophélien que j'avais adopté, qui est gêné et adorable. Tu peux me l'envoyer en MP, s'il te plaît, merci. Hop. Merci beaucoup pour le don, ça fait très plaisir. Et pour le don de 6 euros en plus, excellent, merci. Sérieux ? Ouais. Excellent. Désolé, j'ai pas pu venir ce soir du coup. J'étais trop concentrée à dessiner. Ça va ? Ok, cool, super mec. Tu meurs à cause de ta maladie ou là, quand ça... Manoa, le Covid. C'est faux, je mens. Ah oui, parce que Manoa, je sais pas si vous avez vu les gars, mais il y a eu des inondations en Belgique, des immenses inondations, et la maison de Manoa, la maison de sa mère a été inondée, la cave, voilà, c'est pas ouf, mais bon, voilà.
Hop. 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 Hop, hop. Harip, attends. Oh, le nouveau. Et oh, le nouveau son de Mano, attends. La méthode belge, c'est juste le fait d'utiliser la loi belge pour faire payer moins le doublage. Oui, c'est de la merde. Mais ça, moi, j'en veux aux Français pour en vouloir aux Belges, tu vois. J'en veux au système belge qui est pourri, le système de paiement. Mais faut pas en vouloir aux doubleurs belges, tu vois. Ce que je te conseille, c'est je ne suis pas venu ici pour souffrir. J'ai tout mis en défense. Ah, mais c'est le nom. J'ai plus, pas plus de détails. C'est drôle comme nom d'animé, ça. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je trouve ça sympa. Genre, je trouve ça nul des fois de mettre genre. Il y a des titres français, je trouve ça nul, mais ça, c'est une blague que je trouve drôle à mettre dans un. Dans un titre. Manoa qui fait mourir de rire en RP. Manoa, il voulait commencer à live peut-être parce qu'il. C'est vrai, son point de vue est vraiment très drôle. De quoi parler? Je ne suis pas remédiée de Spider Skull Girl. Mec, je ne parle pas maintenant, puisque. Blablabla. En tant que doubleur, je trouve. C'est complètement débile de parler de vrai doublage, autant je n'y connais rien en doublage belge, autant chaque doublage devrait être respecté à sa juste valeur, que ce soit fait par des Belges ou des Français, que ce soit dans la même langue, ça importe peu à mes yeux. Ah merde, ah rip, stress de ouf, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, mais il a perdu tous ses souvenirs d'enfance, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que sa maison se fait inonder. C'est la merde, mais bon écoute, il n'est pas non plus dévasté parce qu'il est en mode bon tant pis, c'est fini, mais bon. Qu'elle repose en paix. En soi, les Belges sont payés à la journée et c'est pas idiot comme système, mais ils sont payés une misère à la journée alors que les Français ils sont payés en ligne. Ouais, voilà. Et souvent, ils prennent une journée pour te faire doubler un max, tu vois. Genre, ils te payent à la journée, mais la journée, c'est une journée de. C'est une journée de 20 heures, tu vois. Genre, j'exagère, mais voilà le truc quoi. Rick Mano, déjà qu'il est mort dans GTA. La cave, F pour la maison. On fait pas en deux, on est d'accord. Bah, surtout que Light Novel ont des titres de 40 km de long. J'ai envoyé DM du coup, merci Angelus. Ah oui, le serpent, c'est vrai. Oh, j'ai la tête qui tourne, j'ai trop parlé, trop vite, trop rapidement. Hop. Salut Flemme. Je suis rentrée de vacances, je suis épuisax. Waouh, mais pourquoi tu viens sur le live? Repose-toi, va dormir. Le fil rouge n'est pas très exploité aujourd'hui. Comment ça, le fil rouge n'est pas très exploité? Je t'emmerde, en fait. Du coup... Petit serpent! On va la faire, genre. J'ai envie de la faire. En chibi. Genre. Les gros sourcils tout ronds. J'ai l'impression qu'on a tout le temps les mêmes musiques, puis tantôt je vais changer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique? Par quel. De quel jeu ou de quel. J'ai mis du cash. Je sais pas si je veux du cash, c'est trop calme le cash. Persona 5, j'en ai trop écouté. Oh, les remix Luffy de cash peut-être. Ouais, j'aime bien. Allez, on va mettre ça. Ça me fait chialer, hein, sans qu'il arrive. Enfin, la musique de cache, en général, je chiale. C'est pas trop fort? J'ai l'impression que c'est un peu fort. Je peux faire un petit don, mais vas-y!
fais un don. Fais-toi plaisir, moi je veux que ça, de l'argent. Oui. DMC de ouf, Cash. Non. Bon, si c'est du remix Lofi. Si c'est du remix Lofi, ça passe, non? Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, cœur de monstre. Ça va très bien. Après, tu voulais... T'appelais comment? Où est-ce que... J'aurais une face Cash. Je me refais le 2. Bonsoir. C'est sympa de regarder 3 épisodes. Mais ça a l'air mieux. D'ailleurs, si tu veux, il y a une chaîne qui s'appelle Project Disasty qui fait refait le milieu de Cash, c'est incroyable. Par contre, ça aussi, ça l'est. Les remakes, ça devrait passer. C'est un des remixes, ça va? Genre, ça va, non? Ça va, non? C'est pour ça que j'écoute que des trucs symphoniques à chaque fois. Merci, Flemme! Merci pour le don de 10 euros! Et yo! Petit Ben d'une chamallow de Ghostbuster. Bubin d'homme. Un bubin d'homme. Ah oui. Attends. Le machin blanc là? Depuis quand t'es un fan de Ghostbuster? Il me terrifie ce truc. On dirait le bon de Michelin. What's left to me? J'ai jamais vu Ghostbusters, ça m'intéressait pas trop quand j'étais petite, j'aimais pas trop. C'est ce truc là, on est d'accord, hein. Hop, petite boucle d'oreille et petit haut cheveux, petit cristal. Petit écharpe. La musique de Cash en vrai. En vrai, Cash, je l'ai découvert assez tôt. C'est genre dans mes premiers let's play de trucs que j'ai regardé. Du coup, c'est très important en vrai. Pour moi. En tant que. Genre dans la découverte des jeux vidéo et trucs comme ça.
lire le chat deux secondes. Je vais juste finir ça. Je finis le line de ça. On devrait passer Michelin, quoi, le géant marshmallow, oui. Moi je dis go faire le versus Yokai Watch Buster. Le manoir de la chouette ou le pire. De la chouette ou au pire Luz et les îles bouillantes, si on veut rester dans la même idée. Je vais être original en étant plus logique avec la série. Ah, quand vous parlez du titre français de The Old House? Oui, il est nul. Oui, oui, c'est lui. C'est possible, il fait sa tête pas content, elle est drôle. C'est vrai qu'il était obligé de traduire le titre, mais bon, son. C'est vrai que la maison chouette, ça fait pas, ça fait nul en français aussi. Je sais pas comment tu pourrais appeler ça, tu vois. En plus, ça se passe, enfin oui, je sais pas. C'était pas content. Son blaze est meilleur en anglais. Stay puff marshmallow, je crois. C'est trop bien cash, oui, c'est très bien. C'est un peu n'importe quoi et c'est de la merde, mais c'est pour ça que c'est génial. Après, le nom français c'est sympa. Ça aurait pu être. On reprend l'idée des versions de Kaiwash à cause du droit d'auteur. À part KH3. KH3 c'est chouette, c'est juste qu'il n'y a pas de VF, du coup c'est triste. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec une queue, ça aurait harmonieux. C'est quoi la version de Kai Watch? Après, je comprends pourquoi traduire les titres de séries animées s'ils le font autant faire le titre logique avec la série. Bah, Luz Houseville, c'est de la merde, mais c'est ce qui se passe, tu vois. Et c'est un truc qu'ils font souvent, j'ai l'impression, dans les traductions françaises, c'est mettre le nom du héros dans la série, tu vois. C'est un peu nul comme titre, mais je trouve pas que c'est non plus un carnage, quoi. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre, parce que vraiment la maison de la chouette, c'est pas très très vendeur, quoi. Je comprends pourquoi ils ont changé, tu vois. Du coup, la peau du charpent, la peau, le bal. Voilà, les petits, le cuir, le petit tissu blanc, l'écharpe, d'ailleurs j'ai pas beaucoup participé à Art Fight là, alors que le mois il finit bientôt, enfin bientôt ça va quand même, mais faudrait que je dessine plus, je réponde au moins aux attaques qu'on m'a fait parce que j'ai encore rien fait là, même si c'est pour un petit dessin rapide, mais à chaque fois j'ai envie de faire mieux. Enfin, pas mieux que l'autre, mais juste j'ai envie de faire plus que juste un petit dessin rapide pour l'art fight. Mais si je fais rien, autant faire quelque chose de rapide, quoi. Hop, les cheveux, le petit diamant là, et. Voilà, et puis ici. Et puis des petits points plus clairs.
clair aussi. Voilà. Et puis je peux faire genre des petits. Voilà. Comment elle s'appelle encore ? Ophélie. Dearly beloved, oui. Elle est tellement choupie, je veux prendre. Je veux la prendre dans mes bras. Enfin, je veux dire, on s'est compris. J'ai vu que la saison 1 est en VF, Amity est full amoureuse de lui. C'est même pas discret. Bon, si on va essayer de cacher que lui est bi, son bon ami avec Betty. En ce moment, je vois plein de personnes faire de l'art fight sur mes Discord. Ça me donne envie d'essayer de commenter chez les personnes. Star Butterfly, c'est aussi le nom VO. Aussi, c'est pas le nom VO. Oui, c'est ça. Souvent, ils mettent juste le nom du héros. Et parce que genre... Après, Star contre les forces du mal, je trouve que ça allait, tu vois. Mais ça me dérange pas, hein, ouais. C'est vrai que juste Star Butterfly, c'est juste son nom, quoi. C'est très stylé. Du coup... Ce truc. Ce truc pas content. Du coup. Moi, il me fait peur en vrai, il me terrifie sincèrement. Je l'aime vraiment pas. Il me met vraiment mal. Let's go. Je veux le Graal. Son sourire, je le vois dans mes cauchemars. Mon gros bonhomme Michelin. J'ai un animé. Il y a une marinière. Il y a un costume d'écolière. Attends, si je fais genre. Son gros corps là dégueulasse. Berk. Regarde, il marche. Stomp, stomp. Yop. Hop. Hop.
souviens quand j'avais emménagé ici. Genre vraiment l'un des premiers jours où j'avais emménagé ici, j'avais mis cette truc Lofi cash. Et j'avais fait du sport dessus. Genre j'avais fait mon sport hein, dans cette musique là. Je sais pourquoi c'est un souvenir qui est resté, pour je sais quelle raison. Il est pas particulièrement bien ou mauvais, il est juste là. C'est vraiment les trucs les plus simples qui sont les plus durs à faire. Hein. Gros corps là, hop. Hop. In the kingdom of the putain, Outa Daikaru, elle est trop bien, putain. J'ai envie de canner. Hop. Hop. Le sol, hop. Oh, j'ai la tête qui tourne. Parce que je vais pas tarder à arrêter, je commence à être un peu... Ouh, j'ai trop parlé. Parce que là, pour vous, je suis là depuis 2 heures, mais là, ça faisait 6 heures, j'étais en vocal avec Slow. J'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai la tête qui tourne. Et j'ai trop dessiné aussi. J'ai vraiment dessiné pendant 6 heures, là. Quelle vie. Après bon, je dessine tous les jours super longtemps, du coup bon, quelle vie. Stay puff. Voilà, j'espère que tu es content, Flemme. Tu vas enfin dessiner cette horreur. Hop. De fou, à boire. Merci. Enfin, c'est pas parce qu'il s'appelle Marshmallow que c'en est un, c'est peut-être vraiment le bonhomme Michelin qui est en fait un peu... Et qu'il est en fait un peu géant, il est pipou. En tout cas, il veut te casser la gueule à la sortie de l'école, bébé, pardon. D'ailleurs, c'est en rapport avec quelqu'un sur le chat à un lien vers le Discord où le créatif, on se peut discuter sur leur truc. Des créatifs se ressemblent. Vers un Discord ou des créatifs, voilà. Je travaille sur quelque chose, j'aimerais avoir plus d'avis d'aide. Sur notre Discord, on a un coin parlons création, du coup, si tu veux poster des trucs. Après, les gens sont pas hyper réactifs à ce genre de trucs, mais si tu veux demander des conseils, etc., tu peux venir. Non, il est canoniquement Marshmallow.
Le dernier message que tu m'as envoyé, Flem, c'est waouh, GG, plus que 4 ans et t'es ennemi, fin. Merci. Hop. Je sais pas si j'ai assez pour poster sur Twitter. Oui, j'ai assez. Du speedwagon. Le post Twitter. Yep. Dans 80 000, il faudra déjà être le M avant. Ouais, c'est ça. Et je ne serai pas maman. Après, si je suis genre... genre, j'ai des plantes, tu vois. C'est un peu mes bébés, tu vois. Du coup, je suis peut-être un peu maman, tu vois. Ou si j'ai un chien. En 4 ans. Ça, je pense que je vais arrêter doucement parce que je suis en train de mourir et qu'on a fait un petit live de 2 heures là, c'est bien, 2h30, un truc comme ça, c'est pas mal. Oh bon, allez les gens, merci d'être venus. Du coup, faudrait que ma meilleure amie, sa mère va démissionner pour pas se faire vacciner alors qu'elle est infirmière. What the fuck, les gens ont des problèmes. Demain, elle va à la manif, mais putain! Rip Cartaz, gros bisous. Marina fait plus de un don, un dessin. Tu lui as foutu un procès au cul pour avoir emporté ton idée ou quoi? Bah non, il y a Marina et il y a Manapani aussi qui a pris le concept, du coup, non. Elle doit être occupée, hein. Mais là, en fait, en ce moment, elle bosse sur un truc, un gros projet. Du coup, je pense qu'elle est occupée, elle fait un peu moins de live. Et vu qu'elle live beaucoup GTRP, je pense qu'elle se concentre surtout sur ça. Mais voilà. Mais allez voir d'ailleurs les lives GTRP de Marina. Je vais vous mettre un petit lien. Parce que j'aime beaucoup son point de vue, elle est très drôle, Marina. Son personnage, c'est une... Elle bosse à Muzzle News, du coup c'est cool, elle suit un peu les infos, les trucs un peu hip du moment dans la ville, les trucs comme ça. Du coup, je vais regarder... je veux juste la page de Marina. Je vais vous passer la page de Marina. Voilà. Allez suivre son... Du coup, il est en mode... Mais ta gueule, Luna, putain. Désolé. Du coup, voilà. Allez vous abonner à sa chaîne. Mais du coup, je vous dis au revoir. Attends, je vais peut-être... Attendez, je peux raid. Je peux raid... Qui je peux raid? Moi, bon, je vais raid Seiya. Elle fait du GDRP, mais le personnage de Seiya, il est vraiment drôle. C'est la petite rose. Du coup, je vais vous raid là-bas. Raid. Saint Seiya. Voilà, bah, j'espère que... Allez-y, seulement si vous êtes intéressé, hein, mais le point de vue de Seiya, il est sympa, il est plutôt drôle. Du coup, faites-lui des gros bisous de ma part, faites-lui plein de... Ceux qui sont abonnés, faites-lui des petits émotes Cartasker. Du coup, des gros bisous, bye bye. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde.